Oui, la vie roule vite et on oublie souvent les choses les plus importantes. Le carême, c'est le moment de s'arrêter pour s'en rappeler. Cette année, nous allons regarder Dieu le Créateur et nous émerveiller de la création magnifique qu'il a créée, nous. Le phénix, c'est un animal mythique qui meurt et renaît de ses cendres. Le mercredi des cendres, on met des cendres sur notre front comme pour signifier notre désir de renaître, nous aussi, de sortir de ce qui est noir pour revenir à la vie. Et on demande à Dieu de marcher avec nous sur ce chemin. Et toi, as-tu oublié la merveille que tu es? Quel genre de langage utilises-tu avec toi-même? Est-ce que parfois il t'arrive de te traiter de stupide, d'incompétent ou autre chose? Ou es-tu capable de parler avec autant de bienveillance que quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur? Tu me regardes, Seigneur, et tu sais. Tu me connais par cœur. De très loin, tu vois mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu as compris. Tu me devances, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, tu es toujours avec moi. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais la merveille que je suis. Seigneur, incroyables sont tes œuvres. Ce carême, je dis non à la négativité. Je dis non à une mauvaise image de moi. Je m'ouvre à la confiance. Je dis non à maltraiter mon corps. Je m'ouvre à la santé. Je dis non à me plaindre, à jouer la victime. Je dis oui à la positivité. Je dis non au découragement. Je dis oui à l'espoir. Parce que toute ma personne, mon cœur, mon corps, mon intelligence, mon esprit est une création magnifique de Dieu. Et je veux montrer à Dieu ma reconnaissance pour ma vie. Et toi? As-tu oublié la merveille que tu es? Entre dans l'aventure du carême. Viens découvrir la beauté qui t'entoure, car Dieu ne crée pas d'erreur.
capsule, savais-tu que... Saviez-vous que la première greffe de rein réussie entre humains qui n'étaient pas des jumeaux fut réalisée par Samuel Kuntz en 1961? Ce chirurgien afro-américain est reconnu pour son travail de pionnier dans le domaine des greffes de rein, de la recherche, des découvertes et des inventions en sciences rénales. Il a également mis au point le prototype de l'appareil de perfusion rénale Belcer qui permettait de préserver les reins jusqu'à 50 heures après prélèvement. À une époque où le coût des traitements contre l'insuffisance rénale était inaccessible pour les gens à faible revenu, en particulier dans la communauté noire, Kuntz a utilisé sa renommée pour appuyer un projet de financement fédéral pour les traitements de l'insuffisance rénale et la transplantation rénale. Dans le cadre de sa campagne, afin de sensibiliser davantage à la nécessité de recourir à des donneurs vivants pour la transplantation rénale, Kuntz a réalisé une transplantation rénale à partir d'un donneur vivant dans l'émission télévisée de Today NBC en 1976. Après sa diffusion, quelques 20 000 personnes se sont proposées pour servir de donneurs vivants dans tout le pays. Samuel Kuntz est né le 20 octobre 1930 en Arkansas et est décédé en 1981. L'héritage de Kuntz se poursuit longtemps après sa disparition. Chaque année, plusieurs bourses d'études sont décernées en sa mémoire.